Bienvenue, on se retrouve pour Grounded. That was refreshing. Alors, il faut de la bouffe, de la nourriture. Donc on va repartir encore en, j'ai envie de dire, pseudo-farm, exploration découverte. Ça fait beaucoup de slash, mais là, c'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai pas trop envie de me concentrer en fait sur les nouvelles zones. J'ai envie de repasser un peu sur les anciennes zones. Très bien. Donc ouais, on va faire ça. Qu'est-ce que je fais bien, cette arbalète. Donc on va faire ça. On va... Enfin, deux nourritures, ça devrait suffire. Attends. Trois. What? Ah non, c'est vrai. J'ai cru qu'il était passé par le dessus, quoi. Bon, bref. Donc, ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va aller vers un endroit où il n'y a pas de radar. Parce que c'est vrai qu'on a, on a jamais fait vraiment attention. Enfin, j'ai jamais vraiment fait attention d'ici, jusqu'à présent. Parce que, bah... Enfin, le jeu, on découvrait tout ça tout le temps, partout, en fait, c'était tout le temps neuf, donc il n'y avait pas vraiment de raison à tourner en rond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un endroit où il n'y a pas de zone de recherche, en fait. On fait ça, poisson de flèches, on a du soin, on a les bombes au cas où. Je suis en train de me demander est-ce que ça on devrait pas le déposer le hot shot. Je sais pas. Peut-être. On va. Ah, ça nous fera de la nourriture. Très bien, on va demander à Samron. Ah, Samron qui est pas full vie hein. Qui est pas full vie hein Samron, tu fais un peu chier. Attends. Samron, est-ce que t'as besoin de ça pour reprendre de la vie? Je comprends pas trop comment tu fonctionnes en fait. T'es où? Tiens. Am I wearing that cologne or something? Je crois que ça marche. Mais j'ai pas l'impression qu'il se recharge en vie en fait. Parce que là on vient de dormir et tout. Non, c'est bizarre. Et je vais vous montrer un truc. On va sauvegarder, je vais recharger la partie. Charger. Nickel. On va recharger la partie, on va voir. Parce que je suis certain que quand j'avais. J'avais quitté le jeu en fait, je crois. Je sais pas. C'est bizarre en fait le système de pour les pets là. C'est pas, je crois que c'est pas très au point en fait. Ah voilà, il est full vie. Vous voyez? Et après il est énervé apparemment. Vous voyez, il est full vie. C'est bizarre hein. Que sa vie bougeait pas, il avait pas de. Ah, il avait pas de régène, quoi que ce soit. Donc c'est pas par rapport à la nourriture hein, qu'on lui donne. Hein. Quasiment certain de ça. Hein. Alors en tout cas nous on va aller donc là. Parce que vous voyez que là il y a les zones de recherche là. Des labos. Laboratoire de recherche. Là, les postes de recherche. Un peu après, par contre, des fois, il y a des postes de recherche, elles sont pas marquées. What? Orbitel. Everyone, we're under attack! Fait chier. Just like a fruit pounder. Je peux me les faire au corps à corps, les orbitels. J'ai pas envie de tout casser en fait. Vas-y, arme-toi.
deux, c'est fait. Faut que je rentre et que je monte. Ok. Ça arrive encore. On est équipé en. Ouais. Fini. J'ai peur que. Oui, je sais. C'est un peu chaud. Mais... Ah oui, le dernier coup. Qui consomme pas d'endurance. C'est vachement bien en fait notre mutation. Après ça il subit. C'est bon. C'est marrant, ça dit pas base défendue, ça dit représailles subies. That was refreshing. Bizarre. Eh B. On verra si on a... l'armure est très bonne. Ouais, nickel. Je voudrais réparer. Et puis après on y va. Ah ben putain. Oula. On a eu deux parties. Étoile. Non, pas ça. Allez, on est allé. Je sais pas pourquoi il me fait chier encore, le moucheron. Ah, elle a plus cher cette palissade. Je vais laisser l'étoile, honnêtement, je m'en fous. Ah là 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 là! Évite les toiles. Allez, viens ici. T'es full vie au moins? Oui, ça va. Non, mais on est bon. On peut partir, en fait. Ouais, très bien. Toile déposée et porte-morceau de Spidey. Très bien, très bien. Let's go, on se casse. Eh ben... Alors,
J'ai marqué la carte. J'ai dit qu'on allait là. Ouais, là, par là. C'est où? C'est par là. Parti. On va faire une aventure là-bas. On va voir un peu ce qu'il y a. On va voir un peu ce qu'il y a. Ah, elles ont pas trop aimé les araignées, ce qu'on a fait. Si je regarde. Ouais, le troisième coup, le dernier combo, j'ai l'impression que c'est tout le temps par contre. Il prend pas d'endurance. Attends. Un, deux. Non, si, il en prend. Je sais pas exactement. Des fois, non. Je crois. Ce qui est bien, hein. C'est la mutation, ça, là, un maître d'armes. Ouais. Vraiment cool. Yeah, gros gros. Partout, quoi. Ah, mon bouclier est plein. Enfin, il était plein. Okay. Notre bouclier a été rechargé avec le trophée. Nickel. Par contre, c'est un peu chiant cette étoile là. Tant pas eu abîmer mes armes, parce que si on part comme ça. Ok, donc là on n'est jamais venu, je crois. Ah ah. On n'est jamais venu ici. Nectar. Oh, c'est là que ça se trouve. Une ressource d'artisan sucré comestible remplit légèrement la jauge de faim. Potable en cas. Ah ah, maintenant on sait que là il y a du nectar. Ça, c'est mes représailles à moi. Pas la même. Ouais, ça, c'est mes représailles. Donc là, il y a du nectar. Est-ce que j'ai pris des... Non, j'ai pas pris de... Je vais pour faire des marqueurs. Est-ce qu'il y a que là du nectar? C'est un peu abusé s'il y en a que là, quoi. Un tout petit peu abusé. S'il faut, ça sert à rien de mettre un marqueur ici en fait. J'en sers à rien du tout. Ouais, d'accord, en fait toutes ces plantes peuvent en avoir. Ok, ça marche. Je savais pas. C'est la première fois que j'en vois. Puis en plus ça ressemble à de la sève et ça ressemble surtout... Bon, ça peut pas être de la sève c'est rien, juste des arbres. Mais ça ressemble surtout au... Parce que les... Les bestioles sécrètes en fait là. Les fourmis elles en mangent. Donc c'est bon à savoir ça. On va prendre quelques-uns. Je
me demande si la mouche elle s'est pas bloquée dans une toile encore. Ou alors elle est juste pas très intelligente. Non, elle vole pas haut. Le problème c'est qu'elle vole pas haut. Simplement. Oh mais comment c'est chiant à récupérer en fait. C'est ouf. Vous voyez, c'est bien de se balader comme ça. Ça permet de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Très bien. Parce que le nectar, on avait besoin dans une... Comment ça s'appelle ? Une recette. Et je crois que la recette, je l'ai pas prise en plus exprès parce que je savais pas ce que c'était. Cette goutte de jaune. Aussi des pétales ici. Il y en a deux. Peut-être pas exagérer non plus. Oh, là-haut. Ouh, il y en a plein ici. Oh, c'est quoi ça? Ça plus tard. Putain, tu m'étonnes qu'on ait jamais venu ici, quoi. Bourré de catégories 3 et 2. Et surtout 3. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Frankenline. C'est un jeu. Ah, on dessine pas des lignes avec ça, là, avec des trucs sur les côtés. Tu vois, on peut l'activer. Trop bien. Non. C'est trop bien. Bon. On l'a trouvé. Je suis content. Je savais même pas que je le cherchais. On peut dessiner un truc si on veut. Là-bas, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est la canne. Un truc qu'il nous faudrait, nous, c'est. Oh! Ah, c'est des punaises. Un truc qu'il nous faudrait, c'est de pouvoir monter directement là. Oh merde. Et non, là par contre, c'est pas drôle. Samron, casse-toi du... Casse-toi du gaz. Okay, okay. Samron! Presque plus de vie, c'est idiot.
On va le renvoyer. C'est con qu'on puisse pas le renvoyer en fait. Honnêtement, faudrait courir très loin pour les perdre. Comme ça, ils peuvent pas se faire attaquer. Encore des araignées ici. Là, on a de la bouffe qui est tombée. On va voir ce que c'est. Fais voir la bouffe qu'on a sur nous, tu vois. Damn, give me a plate of this. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un truc. De l'argile. Oh merde. T'en ailles. Samron. Sam, Ron, arrête. Le truc est chiant. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Donc là, c'est des bombardiers. Pas de très spécial. Pas de poste de recherche, que dalle, quoi. Genre mon détecteur, il y a rien. Après, ils disent de la mousse dans un étang là. Peut-être qu'on peut en trouver aussi. Hein. L'air de rien avoir. Ah, c'est pas des asticots ceux qui sont dans le sol. C'est des larves. Et du coup, on est arrivé ici. Intéressant. C'est incroyable le fait que notre bouclier va plus jamais casser. C'est super. Ah, ok, je me rappelle de ça. Là, on est au barbecue en fait. On est au barbecue. Là, il y a du fun à l'intérieur. Peut-être qu'elle est pas là. Hein. Non, en fait, il n'y a rien. C'est juste un trou pour où elle dort. Quoi. Ça marche. Bon, bah, si on est là, faut en profiter. Je comptais me la couler douce, en fait, sur des zones qu'on connaît, mais... à côté de la zone haute et tout ça, enfin je go. Je peux pas aller chercher du charbon. J'ai pas mon équipement pour. Est-ce qu'il va monter ou pas? Ouais, alors lui, il va peut-être me prendre des 50 flèches. À chaque fois, je veux dire carreau. C'est pour ça que je mets toujours un blanc quand je veux parler de flèches. Parce que vu qu'on a surtout l'arbalète, à chaque fois, je veux dire carreau. À un moment, je vais juste dire carreau. C'est de quoi je parle. Ouais, on peut pas le faire, le... Wow. Il est pas du tout en train de glitcher, c'est bien. On peut pas faire le charbon, j'ai pas l'équipement pour. On peut tuer ça. On peut essayer de récupérer plusieurs parties pour pouvoir faire l'armure. Ça peut être intéressant aussi.
l'armure lourde. Parce qu'on doit toujours faire le set complet, parce que je voudrais voir ce que ça fait. Ils ont beaucoup de vie eux, par contre. On en profite, hein, tant qu'on peut faire un truc tranquille, on le fait. Ah. De toute façon, on a une arbalète, c'est fait pour ça. Hein. Par contre, on va devoir le finir à Manu, je crois. À façon de parler. Ah, il va rester un tiers de la vie, quoi. J'y vais avec épée bouclier ou pas? Ou autre chose. C'est con, je voudrais enlever mes mutations, mais j'ai peur qu'ils reset le truc. Lui doit être résistant en fait. Ah oui, non, lui je crois qu'il est fragile contre quoi? Contre les le contendant, genre marteau, masse. Ah, on va devoir se débrouiller. Oh la vache. Oh, il régène sa vie, le pute. Gaffe à ce que là. Très mal. Non. Arrête, arrête. Oh, d'accord, mais je fais comment moi? On va essayer de le mettre à 50%, puis après on le refait à l'arbalète. D'accord, la portée, mon délire. C'est de la merde ce monstre. Non, il est monté. Ah, c'est de la merde, le truc il peut régène aussi vite, aussi... Oh là là. Il faut le stun en fait. Ouais, non, lui il faut une masse. Il faut absolument une masse. Ou alors faut pas le combattre de près. Comme ce qu'on fait là. Il régène énormément, c'est violent. Les dégâts que je me prends quand il me... Je sais même pas s'il me touche à travers le bouclier ou pas. Faut qu'on apprenne à les combattre mieux là. C'est pas très efficace ce qu'on fait.
Ouais, c'est bon. Carapace de coupe. Violent. Violent le machin. Donc on a une carapace ici. 4. Au moins ça va, il en donne beaucoup, c'est bien. Ah putain, mais j'ai ça sur moi. Moi, il en donne beaucoup. Parce que nous, il nous faut... C'est où le casque? Ah, j'ai pas le casque? Non, j'ai pas le casque. Faut peut-être identifier la carapace. Nous, on a ça. Donc, il en faut 2. Bon, après, on a pas le cuir non plus. En fait, on peut pas le faire. Bah, à la limite, on... Non, mais... non, j'ai rien dit, on peut rien faire. Ça va, c'est... Mais bon, au moins, on a tué un. On a appris que c'était de la merde. Tastes good. T'as mon armure encore en bon état. Juste l'épée. Le truc dans la forêt. Ah. Le sol. Ouais. J'aime pas quand ils font ça. What? Ah, elles font grésillement quand elles te tapent, elles. Je sais pas. Attends, soigne-toi, bordel de putain de merde. Comment ça se fait que j'ai jamais fait attention qu'elle pouvait faire ça? Bon, après, on les faisait souvent de loin. J'avoue. Putain, chaud. Ouais, c'est du grillement. Ça va. Moi, notre soin, il sert pas à rien, putain. Ah. Là-haut. Non? Oui, là-haut, là-haut, on voit le truc tourner. Il y a un trou juste en dessous. Ah, par là, on peut passer. C'est quoi ça? Ah, c'est le scarabée. Vous croyez qu'on peut être amis avec lui? Genre avoir un pet spécial là. Ok. Ah, je pensais qu'avec deux on pouvait faire un truc. Mais non. Qu'est-ce qu'on fait là avec nos deux molaires nous? Faire. Ah, j'aime bien le soin. Non, on va attendre pour 3 pour le soin. Ça nous aidera. Ça nous aidera. Oh, le casque, il est stylé. On dirait un casque romain. Fais voir. Oh, ouais, il y a une crête. Et... Oh, c'est trop classe. Casque lourd, digne des plus grands héros de Sparte. Ouais, 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 on dirait... On dirait un Spartiate même. Ouais, 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 fabriqué à l'aide de carapace ultra solide d'un cloporp. Ah, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Trop, trop cool. Trop, trop cool. Bon, faut apprendre ce que c'est ça et ça. Trop bien.
Bah attends, est-ce qu'on peut pas faire une recherche? Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Clos, porte. Tiens, déjà on pourrait faire. On pourrait voir combien on a dans la zone. 1, 2, 3. Il y en a un là aussi. Donc ça, ça peut aider. Mais est-ce qu'on a autre chose? Ah tiens, on peut faire l'éclat de chewing-gum. La chewing-gum, c'est plutôt là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? La mousse de mare. Ah, donc ouais, c'est dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ok. Ça marche. Le corbeau. C'est vrai que ça, faudrait l'utiliser. Par contre, je crois que si je prends ça, détecteur de ressources, amélioration pour le module de scan du SCAB et qui permet de localiser les sciences brutes à proximité. Je me demande... Ah non, c'est la science brute. Attends, pardon. Scabby, ça c'est pour les... Ah non, d'accord. Non, ça c'est la science brute. Ça c'est les couleurs là des scabs. Et ça c'est les molaires. J'ai cru qu'on pouvait détecter genre les ressources, mais genre nous-mêmes on pouvait le faire depuis la carte en fait. Mais en fait non, c'est pas ça. Du coup, on va le laisser sur les... Pas quoi que, on pourra apprendre... Nectar. Genre... chrysalide ou peluche. Alors c'est... Non, on n'a pas. Peluche, on connaît pas aussi. Non, on connaît pas aussi. Non, on a juste plume de... Voilà, j'ai mis sur plume de corbeau, c'est bien. Donc ça, c'est où c'est qu'il y a le trou. Je vais bien y aller. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. J'aurais dû la taper pour la finir au lieu de faire vraiment 100% arbalète. Est-ce qu'on a des choses à manger? J'ai fait un repas, je l'ai déjà pris le repas. Hein. On s'est fait attaquer. On va devoir bien jouer là par contre. J'ai envie de ça, ça peut peut-être aider. Laisse au-dessus.
Très bien. Ça a marché, le truc électrique. Nickel. Ok. Le truc électrique a fonctionné, mais une fois... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'un truc qui pourrait aider plus, en fait. Rien. Y a rien du tout, là. Vraiment rien. Ouh. On boive un peu, faut pas tomber à court. That was refreshing. Non, merde. Il nous faut quand on repart comme ça pour de la grande exploration, il faut une deuxième arme de mêlée. Ou alors trouver l'elfe droit. Ça aussi, ça peut être intéressant. Mais il nous faut une deuxième arme pour aller avec... avec le bouclier. Parce que maintenant, si on peut avoir bouclier infini, honnêtement... Ladybird lava sizzling into view. Même l'arbalète, elle commence à fléchir un peu. Elles sont immunisées ou... on peut pas les étourdir ou quoi? Elle était bientôt morte, j'avais pas envie qu'elle reset. Qu'est-ce qu'on peut faire comme armure qui pourrait mieux aider? Après, on peut toujours faire du set de coccinelle, hein, ça fait toujours du régène en plus quand on bloque. Oh la vache, bien joué. Là, elle m'a complètement brain. Qui consomme cher aussi. Ça, c'est normal, il a moins de résistance que les autres de toute façon. Même si on avait pris... Genre, on n'avait pas pris ça, la vitesse de récolte de gravier, là.
Alors je sais que dans un sens c'est peut-être pas le plus utile au monde, mais au moins on a ça si jamais je veux récolter du gravier et tout. Ça ira plus vite. Genre ça doit le casser beaucoup plus rapidement en fait. Alors... Il en reste au moins deux, je dirais. Ouah, j'ai pas... J'ai pas bloqué, quoi. C'est la deuxième. Ok, on l'a eu. Nice and safe. Faire mal. Ouais, si j'arrive à bien bloquer, ça passe tranquille. Bon, mauvaise nouvelle, on n'a plus de lumière. Mais je crois qu'on a vidé l'endroit. Alors, j'ai rien dit du tout. Oh la vache! J'ai rien vidé du tout en fait. Putain, je crois qu'il y a une dent. Yes. J'ai rien vidé. Ouais, j'ai rien vidé du tout. Hein. Je vais être là pour descendre. Là, on se casse. Putain. Allez, on remonte. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Ce qu'on va faire par contre, c'est on va marquer... Ah non, toi, il faut que tu me sois utile un peu. On va marquer donc le nid. Parce que là, c'est intéressant. Du T.
Trèfle, branchette, fibre. Trèfle, branchette, fibre. Là, on marque le nid comme le nid des larves, tout simplement. Tout simplement. Alors, ça... Ça, orange. Nous, on avait fait quoi? On avait fait du jaune. Là, c'est du orange. J'aurais dû mettre les pannes en rouge. Il y a rouge? Il y a rouge. J'aurais dû mettre les crânes en rouge. Les crânes, c'est les loups. Dangereux, ça. Donc en dessous, il y a toute une galerie. Du coup, avec les... Toute une galerie avec des larves. C'est intéressant, ça, il faudrait l'explorer. C'est... Je vois pas trop comment... Est-ce que je peux... Oui. If only it's no lemon crime, but it's better than nothing. Ok, il y a encore un truc là. Ils sont pas vénères ceux-là par contre. Non, c'est les trucs buff qui sont vénères. Machin buff. Ici, ça serait pas mal comme camp, en fait, parce que... Oups, pardon. Parce que... C'est en hauteur, puis après, on pourrait faire un passage là-haut. Puis on... pour une tyrolienne, ça pourrait être sympa. Ça devrait pas être trop compliqué. Bon, on a plus de soins, on va devoir partir. Peut-être que les... Je suis en train de me dire, peut-être que les larves, elles peuvent pas monter. Oh. Frankenline. Il doit être ouvert, j'imagine. Ah, c'est marrant. Ça, pour la nuit, peut-être. Donc oui, qu'est-ce que je vais dire moi? Peut-être qu'on peut les faire à l'arbalète. Hein, parce qu'elles sont en contrebas, peut-être qu'elles n'arrivent pas à sauter où on est. Ça serait un truc à tester, mais l'arbalète va casser. C'était cool ce que je viens de faire. On va rentrer. Je suis content. Je suis content de ma petite exploration. Elle était pas parfaite. Elle était pas parfaite. Mais on a découvert des choses. Hey there, buddy. Par où on passe là? On a découvert des choses. Oh merde. Ah ouais, alors super. Sans déconner. Sans déconner x2. Vous êtes moins chiant, tout à l'heure. Ça vous casse les couilles. Oh non.
fait. Évidemment. Ouais, tout cet endroit, c'est relou, en fait. Parce que nous, on pourrait passer ligne droite. Mais il y a du monde. C'est bon, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on y retourne? Ça m'embête ces larves là, ça donne vraiment envie de les faire en fait. Ça me donne vraiment vraiment envie. Oh là là, regarde-moi tout ça. I don't want any trouble, Ant. Ok, ici quoi. Le problème c'est que des fois elles cassent des trucs en fait. Enfin, elles veulent taper des choses. Donc ça c'est extrêmement chiant. Ah, parfait. Carapace. Ça il faut le casser. Ça apparemment c'est plein. Nickel. Nickel. Vous faites extrêmement chier les fois. Vous faites extrêmement, extrêmement chier. Ça, j'ai envie de le mettre. J'ai envie de le mettre sur les toits, quoi, pour éviter de les casser. Quoi. Ben voilà. Nickel. Alors, l'armure a pris cher. Notre épée aussi. On la répare comme ça, nickel. L'arbalète aussi a pris cher. L'arbalète, on va peut-être pas faire ça non plus, faut pas exagérer. Notre épée, elle est bonne. On pourra lui donner un élément si on veut. Un peu plus franco avec ça parce que maintenant on peut complètement marathon. Qu'est-ce que c'est que ça? Améliorer. Oui. Vas-y, fais voir, fais-moi rêver, fais-moi rêver. J'espère que c'est genre endurance qui reste, peut-être qui part moins. Alors, réduit le coût en endurance de la course. Oh, ça tue. Ouais, donc chaque équipement fait des choses spéciales. Je pense que les équipements uniques comme ça. Bon, après, j'ai pas eu d'armure. J'ai pas mis d'armure au niveau 5. Encore. Donc, je sais pas. Peut-être que. Peut-être que ça fait pareil. Peut-être qu'on peut avoir des trucs uniques aussi. Vachement cool. Vachement cool. Ça voudrait dire qu'on peut aller plus loin encore. On courir plus loin, plus longtemps. Vraiment, vraiment, vraiment ça. On va réparer notre arbalète. Putain, j'ai plus de fil, quoi. C'est ouf. Très bien. Très bien. Pour le moment, de ce que j'ai vu, donc les armes au niveau 5, après on peut choisir un élément. Donc le froid, après je sais plus exactement, parce que, vu que c'est des bonbons, je sais pas. Ça c'est feu, acide.
Ouais, acide, peut-être le salé, alors j'en sais rien du tout. Mentholé, c'est le froid. Faut que je regarde les options. Ou après, on le laisse en normal. Pour les armures... Genre, les armures spéciales, pour le moment, à chaque fois, elles ont un bonus. Je pense que ça vaut le coup de tout le temps le prendre, en fait. Je crois qu'il y a un bonus pour les équipements uniques comme ça. Donc maintenant, je suis tenté, moi, à tester ça et le masque à gaz. Ces deux trucs-là, je suis très tenté. On peut augmenter ça ou pas? Je pense pas. Je suis très tenté à tenter le masque à gaz et le chapeau du tireur d'élite. Mais enfin. Nectar qu'il faut déposer. On va repartir en aventure. Il faut du soin, j'ai plus rien du tout. Ça aussi, on commence à en avoir pas mal. Bon, le plus simple, c'est quand même ça à faire. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il faut mettre quelque chose, là. Si on pouvait juste fabriquer avec ça, honnêtement, ça me gênerait pas. Mais vu qu'il faut à chaque fois prendre genre des pierres ou des conneries comme ça, du coup, je préfère juste balancer ça, quoi. C'est trop bien. Puis hyperactivité, c'est quand même pas si mal. Mais ce serait santé max, honnêtement. Mais... Les duvets d'acariens sont relous à prendre. Parfait. J'avais dit qu'on voulait aller voir pour les chewing-gums et tout ça. Je pense qu'on va faire ça. Faut bouger la pince. Très bien. Il faut des flèches. Nickel, 30-30. Il est quelle heure là? 13h. It's no lemon crime, partir direct, toi, en fait. Better than nothing. Nickel, il en faut encore un. Un ou deux. Je vais pas dire non. Et après on repart encore. Ah, le casque. What? Il est où mon casque de lumière? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Quand il a cassé, je crois qu'il est tombé par terre. Casque lumière. Il est tombé par terre. Je crois que quand les trucs cassent, ils tombent. Ça m'était arrivé des fois avec des dagues ou des choses comme ça. Oh non, on va devoir pas le trouver. Oh, putain, on va prendre une torche par contre. Parce que le temps qu'on arrive va peut-être faire nuit. Oh merde. Rub time.
Aïe 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 aïe. Bon, c'est parti. Au moins on a marathon, lol. C'est bien. C'est les araignées. Peut-être que je retrouve mon casque. Ah ça c'est con ça ce système. Sinon faudra en recrafter un, mais j'ai pas envie de le recrafter. Me faites pas chier. J'ai la recharge de mon casque. Ah, j'ai l'impression qu'on peut courir quand même beaucoup plus longtemps. Avec marathon là. Ah, quelle merde, mon casque favori en plus. Ça va, c'est pas extrêmement loin. À la recherche du casque. Le casque perdu, ça c'est notre quête. À la recherche du casque perdu. Hop là. Ok, donc on a combattu. Yes! Hop là! Oh! Voilà. Nickel. Nickel! Ah, désolé, je pensais pas. J'avais pas fait attention à ça. On pourrait... Ouais, mais non, mais sans le casque, c'est relou, en fait. Avec la torche, honnêtement, la torche, c'est devenu méga relou. Et méga chiant. Et difficile. On va rentrer, le réparer. Sans déconner. Ok, let's go. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Je sais même plus comment ils combattent. J'ai bien fait de pas aller dans l'eau, on a entendu le poisson caille. Je voulais traverser. En fait, ouais, non. Merde.
C'est marrant parce que la mouche elle ramasse plein de trucs à chaque fois. Nickel. Si la mouche est à côté de nous, j'ai peur que ça la tue par contre. Sans critique. Donc est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? De ce côté. J'ai l'impression qu'il y a grand chose. Plus on pourrait la taper pour faire tomber ce qu'elle a. Hein. La mouche. Il y a quelque chose de spécial ou pas, non ? Non. Bon, ça sert à rien. À la limite, c'est pour sortir de l'eau de ce côté-là, j'imagine. Je vois que ça l'intérêt, en fait. Ça permet de sortir de l'eau sur l'autre rive. Ouais, c'est ça qu'il a. Ah bah non, c'est du nectar en fait, ça aussi. D'accord. Bah, notre mouche a récupéré du nectar. Je pense. Vois-tu ? Elle est où l'arnaque ? Non ? Pas de piège ? Pas de créatures qui vont nous sauter dessus ? Ah, peut-être que ça va être la fin de notre épisode, je sais pas encore. Parce que là, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a quelque chose de bleu contre la paroi. Ah, c'est une dent. Ça tue. Luciole, ça a une défaut. On va se mettre en combat. Nice and safe. Nickel. Sans déconner. Bon, on va se faire la luciole là. Ok, très bien. Joli tir.
Luciole à l'arbalète, c'est pas ça. Tant qu'on recule, c'est bon. C'est super simple. Ah, c'est pas mal les couleurs Frankenstein. Frankenline. Nickel, allez, on se casse. Ah, peut-être faut aller voir le tronc d'arbre. Ça fait chier, des moustiques. Il y en a un qui était presque mort, en plus. Oh. Ah, mais c'est sûrement ça. L'arbre. Morceau d'arbre. Merde, il va me taper. Non, ça va. C'est relou. Merde. Bah. Je crois qu'il y a une araignée. What? Faut qu'on fasse gaffe qu'il reset pas en fait, parce que là ça fait deux fois, c'est relou. Ah putain, ça tombe bien. T'inquiète pas que là il reset pas les trucs. On va y arriver, hein, ça juste ça prend 3 heures, c'est pas grave. Ouais, non, laisse tomber. Ah putain, c'est pas ça. Plus.
moi je suis surpris que c'est que la mouche s'est pas faite toucher. Ah si, elle a perdu. Perdu. Quasiment morte. Oh la vache. Oh, ça m'a fatigué quoi. Donc c'est pas ça le... morceau de bois là. Pas l'impression en fait. Pas l'impression. Bon, j'ai rien dit, y a rien. Je pensais que c'était ça le morceau de tronc. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Le truc que je vais faire, c'est, je crois que je vais augmenter le chapeau là. Parce que si je suis, si je dis pas de bêtises, maintenant les pierres, on peut les crafter sans problème pour monter les armures. Avec des ingrédients d'insectes. Donc peut-être que... Si oui, je vais peut-être mettre le truc au niveau 5. Le chapeau du chasseur, là. Et voir ce que ça donne. Peut-être le masque à gaz aussi. Comme ça, on verra les trucs spéciaux. Le masque à gaz, je pense pas que... Je vois pas trop ce que ça pourrait faire. Parce que bon, la célérité, là, on a marathon un peu, donc c'est lié avec la course, évidemment. Le casque de mineur, dans un sens... Bah oui, c'est un casque de mineur, donc du coup, bah... ouais, on casse les pierres plus vite, ça va... Oh, un truc en face. C'est quoi? C'est une dent? Yes, let's go! Let's go. Super. On va rentrer. Et après on a... Est-ce qu'on a d'autres comme équipement unique? Bah c'est tout hein, je crois. Je crois que c'est tout. Ouais, le chapeau de tireur, ça peut être un truc intéressant. Basé sur l'arc, ça peut être intéressant. Après, ouais, le masque gage, je vois pas. Bon, je suis content. Là, on a... On a bien travaillé au final. On a découvert pas mal de choses. On devrait s'arrêter au labo pour les molaires. 3 et 4. On va pouvoir les utiliser. Donc autant aller au labo. Non, tout pas. Vous vous rappelez, je me suis bloqué une fois comme ça. Je sais qu'il y a une touche pour cacher les marqueurs, mais bon, si on a mis des marqueurs, c'est pour les voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Où on retourne? Il y avait la zone de gaz aussi, dans un sens, que je voulais retourner voir. Retourner visiter un peu. Alors déjà, pile de flèches. De consommable. Enfin, consommable à la limite. Ça peut être pas mal, ça nous permet de tenir plus longtemps. La plupart du temps, si on finit nos consommables. Enfin, c'est rare qu'on finisse nos. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est ou l'armure qui casse ou les consommables qui maquillage qui casse. Ça et des flèches. Ouais, non, on va faire les consommables. Alors, ça par contre, c'est intéressant. Donc,
on voulait soins. Ah putain, on peut faire santé max, du coup on est à 4. Et si on fait 5, on va avoir une mutation de plus. Ça c'est embêtant ça. Le choix, le dilemme. Est-ce que avoir une autre mutation pourrait être intéressante? Ah, c'est toujours intéressant d'avoir des mutations. Ah, ça serait intéressant. Après, je dis pas non à de la santé en plus. Performing diagnostic. On va attendre la mutation. Parce que le truc, c'est que la santé max, on peut l'avoir grâce à la... grâce à des potions. Processing. L'endurance max, on peut l'avoir grâce à des potions. Vous voyez? Donc, on peut tout gérer grâce à des potions si vraiment on veut. Alors que les mutations, c'est spécial. Et vu que là, on a eu de la chance, on est tombé sur 2 ou 3 molaires cet épisode-là. Autant en profiter. That was refreshing. Et attendre d'en avoir 5. Pour moi, ça me paraît plus logique, en fait. Quand on va rentrer, on va peut-être... je vais regarder si on peut faire le masque à gaz et le chapeau là. Elle est où la maison? Elle est là. On pourrait faire une base sur la mare. Une base dans le... la zone des fourmis noires. Hey there, buddy. Bref. Nickel. Alors c'est quoi pour... non, c'est 4 plaquages robustes. Ah. D'accord. Je pensais que ça serait plus. Ah mais c'est robuste, c'est pas les fragiles en fait. Ça marche. C'est bon. On va juste le réparer. D'accord, ben voilà, ça y est. Maintenant, il faut de la colle de réparation. Intéressant, intéressant. Donc, c'est ce que j'avais dit. Hein. J'avais dit qu'au bout d'un moment, c'est sûrement de la colle qu'il faut. Donc, on peut... ça, c'est bien dans un sens, parce que... on a un peu un problème avec celui-là. Bon, il est un peu moins résistant que la normale, enfin, que les équipements. Donc, du coup, il casse plus facilement. Donc, on peut utiliser de la colle. Maintenant... le fait de crafter de l'alcool, bah c'est... oui, ça a du sens. Par contre, c'est quoi le pour crafter de l'alcool le plus facilement possible? C'est un peu la merde, en fait. Ce bout de bombardier, il en faut beaucoup. Enfin, à chaque fois, quand c'est rare, il en faut moins. Quand il en faut... quand c'est pas vraiment rare, il en faut beaucoup. On peut faire ça. De toute façon, là, l'armure de fourmilion et l'épée de fourmilion, donc à la limite, c'est pas vraiment très très problématique. Faut que je teste aussi ça, la chose bizarre là, émetteur de bouillettes.
Je vais le crafter en dehors de la base, là devant, genre, et on va voir ce que ça fait. Ça a l'air d'être bien dégueulasse, mais peut-être que ça va faire venir plein de trucs qu'on peut tuer. J'en sais rien en fait, on verra. Je vais enregistrer, le crafter, et montrer si jamais ça sert à quelque chose. Enfin, si ça me sert à quelque chose. Donc, on verra ça. Je vais avoir plein de briques, je suis content. Ouais, la zone de gaz, ça serait pas mal. Alors, donc, on voulait voir pour... Donc ça et ça. Donc le gaz, le masque de gaz. Hop. Hop. Résistance aux explosions. Intéressant. Donc protège tous les dégâts et effets des gaz. Et on a résistance aux explosions. Si bon moins de dégâts. Ça c'est vachement bien pour le pour la zone de gaz du coup. Parce qu'il y a tout qui pète là-bas. Il y a tout qui pète. Très intéressant. Très, très intéressant. Maintenant, fais-moi rêver avec ça. Alors. Oh. Ouh. Tout simplement plus d'attaque à l'arc, c'est ça. Alors, donc, on a ça. Donc, les coups critiques te fournissent un regain d'endurance instantané. Donc, apparemment, ça dit que arc. Donc, voilà. Et après, nous, on a donc. C'est ça, attaque à l'arc. Tes attaques à l'arc infligent plus de dégâts. Est-ce qu'on peut voir... Est-ce que ça peut se voir ou pas? Je vais équiper. Je vais voir. Est-ce que si j'enlève le... Donc là on est presque à 1. Non, on peut pas le voir. On peut pas le voir, c'est pas très grave mais... Attaque à l'arc plus. Donc on peut faire archer avec ça. Intéressant. Donc là peut-être que ça rattraperait. Ça rattraperait l'arbalète. Peut-être. Mais bon, du coup, il faut du matos quoi. Mais ça c'est vachement bien. Voilà, là on a des deux pièces d'équipement vraiment très intéressantes. Y a ça aussi, le casque bulle. Vas-y. C'est quoi qu'on peut augmenter? C'est les palmes et les lampes. Donc le casque bulle, on peut pas. Enfin, dans les recettes, là. Hyperactivité. Donc, on regagne son endurance plus facilement. Ouais, bon. Tu récupères de l'endurance plus vite. Ouais. Un peu déçu. J'aurais bien voulu que ça soit genre apnéis plus. Genre plus plus. Mais bon. Après, peut-être que c'est celle-là. Ces armures comme ça, elles ont peut-être un truc spécial aussi. Hein. Peut-être une chose spéciale. Ça, j'ai bien envie de l'augmenter. Niveau 5. On n'a plus de plaquage fragile. Je crois que je peux en faire, le plaquage fragile. Bon, ça marche. Plaquage robuste, plaquage fragile. Non, ça fait que c'est 5. Plaquage fragile. Faut une zone d'asticot. Faut une grosse zone d'asticot. Okay. Non, elle passe en robuste. Non, les armures font pas de choses spéciales.
même bah, les spéciales dans un sens. Comme ça, comme avec des suffixes. Elle s'effrite un peu, elle n'a donc pas atteint son réel potentiel. Peut-être qu'il y a aussi des choses à mettre dessus, hein, pour qu'elle devienne plus intéressante. J'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Je suis très content de ce qu'ils ont fait. Honnêtement, de leur système là. Je suis très très content de leur système. Avec les atouts là sur l'équipement unique. Et le coup de la colle là. Ça c'est très intéressant. Parce que dans ma tête je me disais, je suis sûr que la colle ça va pas être pour l'amélioration, ça va être pour la réparation sûrement. Et c'est bien ça. Et du coup ça permet de se trimballer avec des morceaux de colle en fait. Ça permet de se trimballer avec des morceaux de colle à la place de... à la place de devoir aller farmer des objets en fait. Surtout que des trucs comme ça, ça casse facilement en fait. Donc non, je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment vraiment bien pensé en fait. Ils ont vraiment bien pensé à tout. Ça me fait plaisir honnêtement. S'arrêter là de toute façon. On va s'arrêter là. On a encore de bombes, on a de la colle du coup. On va attendre encore une molaire pour avoir plus de mutation. Alors la prochaine fois. Alors la truc, une chose que je voudrais bien faire, c'est ça. Mais il y a le cuir de chrysalide qu'on connaît pas et les cordes en peluche qu'on connaît pas non plus. Donc possiblement il faut aller dans les nouvelles zones. Dans les nouvelles zones. Donc peut-être on partira en haut du jardin, je dirais. On fait une excursion là-bas, en haut du jardin. Par contre, je me rappelle même plus comment on y accède. Je crois qu'on est obligé de passer. Alors, attendez. Voilà ça. Je crois qu'on est obligé de passer par la cour supérieure, là et là. Et après on est en haut. Je crois que c'était comme ça qu'on avait fait. Je me rappelle plus exactement. Mais je crois que c'est comme ça. Ou alors on retourne dans la zone de gaz pour... Je sais pas. Non, on va aller dans les nouvelles zones. Genre là par exemple, il devrait sûrement avoir un poste de recherche. Aussi. Là on a des puces à récupérer. Après on peut peut-être essayer de récupérer les puces manquantes. Hein, parce que là par exemple on a une puce. Là on a un labo avant-poste du labo bac à sable. Oui c'est vrai que là on peut pas l'ouvrir lui. Enfin il était fermé. Peut-être que maintenant il est ouvert. On peut y aller. Bon bah la prochaine fois, ok. La prochaine fois on fait ça. On va essayer de faire ça. Essayer d'ouvrir le labo là. On va... On pourrait faire le gaz. Là aussi, il y avait du gaz. Oh là là. Tellement de trucs à faire. Bon, on prendra le masque à gaz. On va faire la puce. On va essayer de faire la puce. On va essayer de faire les zones là, parce qu'il y avait du gaz derrière. Donc, on va prendre le gaz aussi. Et après, si on a le temps, on ira en haut. Et on visitera en haut. Ouais, ça me paraît bien. Parce qu'en plus, on a du bon matos. Donc, masque à gaz. Ouais, très bien. Très bien comme ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. Ça a duré peut-être un peu longtemps. Quoi que non, j'en sais rien. On va garder de la colle. Et ouais. On va juste prendre une colle sur nous. Comme ça, si jamais on
on les perd, ça sera pas trop trop grave. À la prochaine, portez-vous bien. On va récupérer ça, on en remet d'autres. On va dormir. Et on partira à l'aventure la prochaine fois. Même pour les armes, il faudra juste de la colle après. Et en plus, ça qui est bien, c'est que la colle, on peut la fabriquer avec plus ou moins tout ce qui traîne. Quoi. Tout ce qu'on tue, en général. Donc ça, c'est vraiment bien. Vraiment intéressant, leur système. Vraiment, vraiment intéressant. À la prochaine. Ciao, ciao. Bonne nuit. Ah ouais, d'accord. Merde. Bonne nuit ou pas? Tastes good. Peut-être pas. Peut-être pas dormir alors. À la prochaine, ciao.